Salut mon séant! Ouais, voici Captain Fleur de l'Est, plus comme son nom de champion même séant, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Zelda Breath of the Wild. Et dans la dernière vidéo, nous sommes arrêtés ici. Eh oui. Donc je voulais m'en aller. Pas là. En ce moment, vous savez, j'en résiste avec OBS. Mais juste avant, pendant que j'attendais que ça charge, j'en ai profité pour faire la mise à jour de BF. Ah, c'est à peu près temps qu'il se réveille. On a la possibilité de mettre à pause. Enfin. Moi, je dis juste à peu près temps qu'on puisse avoir la possibilité de mettre à pause. Je vous le dis, je vous le garantis, mettre en pause c'est essentiel. Parce que on peut le mettre en pause. Bon, on va revenir plus tard. Et voilà. C'est ça, faut que je débloque celui-là. J'en étais sûr. Puis celui-là se trouve. Où? Il se trouve. Je vais vous montrer. À peu près. Ici. Bon, la tour est jaune, ça fait. Il faut bel et bien que j'aille par là-bas. Ça, c'est les chaînes de montagne. Mais je vais pouvoir le contourner par là-bas, par contre. Du moins, c'est ce que ça me dit. T'imagines, je mets les trucs en faisant ça. Ce serait pas drôle. Oh non. Non. Link. Prends garde. La nuit de la lune de sang. Les pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme. Les âmes des monstres qui errent sur Terre retrouvent alors leur enveloppe charnelle. Link, prends garde. En gros, ça veut juste dire que les monstres réapparaissent. Je ne ferai pas ça tout de suite parce que moi je veux vraiment me concentrer pour faire un cherche. Pour faire aller là-bas. Là. Peut-être pas aller retourner dans le fret là. C'est-à-dire qu'on est pas si loin de volcan. C'est étonnant. La bonne affaire. Ouais. Première fois que je réussis. C'est la première fois que je monte sur un animal. Puis je pensais vraiment pas de monter sur ça. Oh,
Oh, mais est-ce que j'étais absorbé par cet ancien chant? Attends une seconde, cette chose à ta ceinture. Non, ce ne serait rien. J'ai dû me tromper. Qui es-tu? Est-ce la première fois que tu rencontres un pleuf? Je me nomme Azarim, poète itinérant. Je sillonne le monde en quête d'anciens chants. Connais-tu, mon ami, les vieux chants à propos des combats héroïques pour dompter le fléau? Lui, c'est ça, loup, les héros qui surparlent le passé. Après nombre d'épreuves, le fléau traversé. Là où nous sommes en ce moment, perdu un de ses anciens chants. Il parle d'une des épreuves où le héros dut faire ses épreuves. Souhaites-tu entendre mon chant? Pourquoi pas? Je te remercie. La montagne où la vie fleurit en abondance doit être celui-ci, mais que sont ces deux lances? En ces vers, il me semble, est caché un secret que mon esprit, hélas, seul ne pourra percer. En attendant que soit résolu ce mystère, que tes pas soient toujours guidés par la lumière. Quelle deux lances? C'est à vous. Je me demande c'est quelle deux lances? Je vais monter l'eau en particulier. Je vais monter dans l'arbre. Ça me tente. Oui, Karagu, vous venez me smash un truc là. Karagu, oui. Comme Bob Lennon. Oh, deux lances. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faisait. Ça faisait. Ouf, faut trouver des lances. Une chose qui est ce que je sais par contre, regardez bien cela. C'est un temple. Bon, continuons la route vers ceci. Ouais, on va là. Proximité. Ah. Je sais pas ça. Les temps pour l'instant, je veux juste débloquer cela. Pour ça, j'irai voir les temps. Parce qu'il m'en faut. Non! Hey,
Qu'est-ce que je viens de faire, moi? Je viens littéralement de jeter mon épée. Oups. Non, mais je viens littéralement jeter mon épée. Ah. Enfin. Un ailier, c'est un ailier. Vous êtes bien un ailier, hein? Ouais. Je le savais. Alors, allez voir notre Princidon. C'est de la plus haute importance. Il attend là-bas sur le pont d'Ingogo en amont de la Zora. Alors s'il vous plaît, allez écouter ce qu'il a à vous dire. Je sais bien que c'est très soudain, mais si vous y allez, vous comprendrez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça ne tente pas d'y aller, moi. Je fais quoi? Vous faites quoi? Ça ne tente pas d'y aller. Parce que moi je vais aller là. Bah tu sais, je te l'ai montré que je voulais aller. Donc, il y a vraiment des tours de main. Vraiment. C'est pas une petite idée. Que voulez-vous? Une flèche, c'est bon. Fasse attention parce que il y a la chute d'eau que j'ai un peu vu. Ouch.
Ici, Blocos là. Bon, on monte en haut. Si on veut activer la région. Après ça, on va aller voir ce fameux prince Sidon. Qui est ce prince Sidon? Alors, on va le découvrir. Ah, il y en a un juste à côté. Il y en a plein dans le coin. Très simple. Et voilà. Dommage qu'on peut pas passer ce bout-là. Voilà. C'est haut. Oh, t'es fou quoi. Excuse-moi d'avoir crié comme ça, mais tu m'as vraiment fait... Moi c'est Gruve au fait. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, bonne question, très bonne question même. En fait, avec le prince Sidon et d'autres auras, du domaine, on cherchait un Ilien. J'étais en train de faire une petite sieste digestive quand il y a tour qui s'est mis à trembler et je me suis retrouvé cette. Bon, je suis cette, puis je continue québécois. J'aimerais bien descendre, mais c'est juste trop haut. Seulement Prince me remarquerait depuis le pont en bas. Mais d'y voir, t'es un lien? Non, je suis un chat. Tu parles d'un... Non, juste un chat, je suis pas un lien, oui. Prince Sidon, j'en ai trouvé un. Il y a un lien ici. Hein, je suis trop loin. On dirait bien que le prince m'entend point. Je ferais peut-être mieux de sauter de la rivière et d'aller le rejoindre. Bah, il est pas seul ou pas. C'est bien trop haut, c'est plutôt un... à me briser les arêtes, ça. Désolé, il faut que je trouve comment descendre 17. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu pour prévenir le prince. Ou bien moi. On s'entend que tu peux pas ben sauter 17 non plus. Hein. À moins d'avoir une paravoile. Comme moi. Il peut pas vraiment sauter. On s'entend. Un gros radis. Un alien, tout le monde. Oh. Formidable, vous êtes bien un alien, n'est-ce pas? Non, je suis un chat. Menteur.
pas de nageoires, des poils sur la tête, de drôles de vêtements, vous êtes forcément alien. Non, je suis un humain. Je suis un fou. Ben, c'est sûr, les poils sur la tête, les fous font des poils sur la tête. Hein, pardonnez mon enthousiasme. Je suis pour rien du peuple Zora. Je suis justement à la recherche d'un alien tel que vous. J'ai dit que fur. N'importe quoi. Okay. Depuis quelques temps, il se passe des choses étranges à notre village, le domaine Zora. Ah bon. C'est pour ça qu'avec le prince, nous cherchons un lien assez fort pour nous aider. Si le lien refuse ou il est pas assez fort, oublie pas, j'ai... J'essaie de trouver quelque chose. J'ai péri contre Ganon il y a 100 ans. Hein. Que voulez-vous? Oh. Le président est au pont d'Ingogo. Vous voulez bien aller lui parler? Qui sait, vous êtes peut-être celui qui nous sauvera tous. Non. Je suis Link. Sans le savoir, je suis le héros qui a péri il y a 100 ans. Je suis vieux, ça veut dire. Link, 114 ans. Désolé, ça fait de la viande. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'énerves. Tiens-toi! C'est quasiment ça. Ah, je voulais pas faire le sanctuaire non plus, par contre. Chose qui est sûre, fait c'est fait, puis à l'épée je vais en avoir besoin. Non, au moins ça n'est plus un bouclier. Oui, je sais que je suis pourri, on le voit bien. Ouais, ça fait un petit peu que je peux jouer. Ah! Une chose qui serait pas pire, c'est de manger. Nope.
Voilà. Je voudrais que je comprenne. Voilà. Un bon bouclier. J'ai trop de bonnes armes. Il me faudrait des moins bonnes armes. Oh, un arc. Correct, ça. Vu qu'on a vaincu celui-là. Oh. Et voir ce prince dent. Ici, je suis ici. Tu es un Illien, pas vrai? Viens un peu par ici, il faut que je te parle. Non, je suis un chat. Hey. Oui, c'est bien ce que je pensais. Tu es un Illien, non, je suis un chat. Ah, mais je manque à tous mes devoirs. Je suis Sido, prince d'Isora. Comment t'appelles-tu? Donne-moi ton nom. Link. Link. Ça sonne bien. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Ah, ok. Je vois pas. En tout cas, j'aime bien. Pour tout te dire, cela fait déjà un moment que je t'observe. Tu vas me rencontrer. Cette allure, cette aura extraordinaire qui émane de tout ton corps. Link, tu es un puissant guerrier ailier, n'est-ce pas? Non. On va dire. Oui, je le savais. Après tout, je suis le prince des auras. Je suis très perspicace et je sais à qui j'ai affaire au premier. Ça t'es-tu déjà arrivé de te tromper, c'est ça que tu... Hein? Bien, c'est parfait. J'ai longtemps cherché quelqu'un dont la simple aura serait un gage de force, quelqu'un comme toi, Link. Le domaine Zora est menacé par des pluies diluviennes provoquées par Varuta, la créature divine de l'eau. Nous avons besoin de toi et de nous. Acceptes-tu de venir au domaine Zora? Ok, ben oui, pourquoi pas. Oh, vraiment? Merci, Link. Je m'étais pas trompé à ton sujet. C'est comme si le domaine Zora était déjà sauvé. Rentre-toi dans notre village. À cause de la pluie, il est impossible d'escalader les falaises, mais en suivant ce sentier, tu arriveras au domaine. Vous autres, Illiens, ne pouvez pas remonter les rivières hors. Alors le voyage sera sûrement périlleux. Les monstres manipulant l'électricité qui se trouvent un peu plus haut risquent de te donner du fil à retordre. Courage! Ah, j'oubliais, j'ai quelque chose à te donner. C'est un petit quelque chose pour t'encourager. Ok. Ce remède augmente la résistance à l'électricité. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un remède Illien, mais il ne marche pas très bien sur nous autres, Zora. Par contre, je pense qu'il serait très efficace sur toi. Je vais partir devant pour m'assurer qu'il n'y a aucun enjeu. Je compte sur toi. Bye bye. Mais pour moi, ça va être tout pour aujourd'hui. La façon que j'ai pris le précido. J'ai bien aimé. Faut que je fasse ça demain là, c'est quoi? Un truc que j'ai pas télé de bouclier. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui.
Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipe sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans les liens sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dans tout le monde. Et bienvenue à la prochaine chose. Bonne journée. Bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Zelda Breath of the Wild. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.